hein, qui est née en fait des branches professionnelles qui sont le cuir, la chimie, la plasturgie et le textile. Donc aujourd'hui, c'est une école de chimie dans les domaines des polymères et de leurs applications. Et nous formons des élèves ingénieurs, mais nous formons aussi, nous avons quatre niveaux de formation. Nous allons du BTS jusqu'au master spécialisé en passant par la licence professionnelle. Le plus gros de nos étudiants étant des élèves ingénieurs. Donc ce sont des élèves ingénieurs chimistes avec des majors donc, dans les matériaux souples, qui sont donc, je l'ai dit, le textile, le cuir, la matière plastique et chimie de formulation qui regroupe les encres, les adhésifs et les peintures. Nous avons trois sites donc aujourd'hui, sur Écully, où nous avons la partie administrative, les laboratoires de chimie, la partie textile est à Roanne, et la partie donc matière plastique nous utilisons la plateforme du CFP, et pour la partie cuir, nous utilisons la plateforme du CTC. Alors le Challenge E-Tech, il est né il y a quelques années, puisque ça a été créé en 1992 par quelqu'un du textile, donc Jacques Brochier, et il était très orienté textile jusqu'à 2003 où nous l'avons ouvert à d'autres domaines de spécialité. C'est un concours d'innovation technologique qui réunit l'enseignement supérieur et l'industrie. Nous partons de projets industriels que nous faisons traiter par des étudiants dans le cadre de projets de fin d'études ou de TFE. Et donc l'idée, c'est de former des équipes pluridisciplinaires autour de projets pour amener des compétences que les industriels n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment le point fort et la valeur ajoutée du challenge. Des élèves qui travaillent en équipe, deux compétences sont nécessaires. Nous avons des binômes ou des trinômes d'élèves. Et c'est vrai que nous travaillons beaucoup avec la plateforme d'Hydro, parce que donc toutes ces je veux dire cette compétence design qui est indispensable dans la création de nouveaux produits, lorsqu'on parle d'innovation, il y a forcément du design et de l'éco-conception maintenant. Et les élèves aussi du niveau de BTS qui nous apportent énormément en termes d'application et de mise en surface des choses qui ont été conçues. Le challenge a un triple objectif, tout le monde y trouve son compte. Alors pour les étudiants, c'est comme l'a dit tout à l'heure Madame Blanc, c'est une recherche appliquée. On part de projets industriels qui sont des problématiques concrètes et on essaye de les conduire jusqu'à la réalisation des premiers prototypes. C'est aussi pour les étudiants une façon de les rendre autonomes. Souvent, ils se dégagent d'un chef de projet, ils ont une mission, ils doivent l'accomplir dans un temps donné. Le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire avec des niveaux complémentaires, à savoir des ingénieurs, des élèves de BTS, des élèves de design et d'école de commerce, on a vraiment une gestion de projet complète et on va bien au-delà d'un stage classique. Et puis, pour les étudiants, notamment les étudiants qui ne sont pas du domaine textile, c'est de leur faire découvrir cet univers textile qui souvent est malheureusement a une mauvaise image sur le grand public, on a souvent une mauvaise image. Et là, c'est une façon de leur faire découvrir le textile où il y a énormément de choses à faire et il y a énormément d'innovation. Pour les industriels, l'intérêt, c'est on favorise l'innovation par l'intégration de compétences qui ne sont pas présentes dans l'entreprise. C'est vraiment quelque chose pendant 6 mois, un projet qui est dédié à des étudiants qui ont un regard neuf et qui apportent vraiment toute une créativité sans formatage, avec vraiment quelque chose de valeur, vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. Le fait de travailler aussi en équipe pluridisciplinaire, ça permet donc aux industriels de confier des sujets plus complexes. On